L'attaque terroriste dans un restaurant huppé de Dhaka au Bangladesh s'est terminée samedi matin dans un véritable bain de sang. 20 clients du restaurant y ont été massacrés à l'arme blanche. Dans la nuit, le bâtiment a été pris d'assaut par une centaine de policiers lourdement armés pour tenter d'y déloger les djihadistes. Au moins 2 policiers ont été tués durant l'assaut final. Quant aux terroristes, 6 ont été abattus par les forces de l'ordre, un 7e a pu être interpellé vivant. Des bombes artisanales ont été retrouvées sur place. Dans la confusion, 13 otages ont été libérés et de nombreux blessés ont été pris en charge. Selon des survivants, les terroristes ont d'abord séparé les otages bangladais des étrangers avant de les exécuter. 10 Italiens, plusieurs Japonais et un Indien font partie des victimes. C'est le groupe État islamique qui a revendiqué cette attaque.